pourquoi les témoins de Jéhovah utilisent le nom de Jéhovah? Parce qu'ils sont les témoins de Dieu. Et Jéhovah est le nom de Dieu. Ici, dans la Sainte Bible, une Bible catholique de l'abbé Campan, édition 1905, le nom de Dieu, c'est-à-dire Jéhovah, y est utilisé à plusieurs reprises. Il n'est pas remplacé par l'Éternel, le Tout-Puissant ou Seigneur, entre autres. Ici, par exemple, en Isaïe 42:5, on peut y lire. Ainsi parle Dieu, Jéhovah, qui a créé les cieux et les a déployés. Entre autres, on peut voir aussi, c'est parce que moi, Jéhovah, je ne change pas. En Malachie 3:6, Jéhovah, Dieu ne change pas. Donc, il porte toujours le même nom, tel que Jésus le dit dans la Bible de Jean 17:26. Père juste, le monde ne vous a pas connu, mais moi, je vous ai connu. Et ceux-ci ont connu que c'est vous qui m'avez envoyé, et je leur ai fait connaître votre nom. Donc, si on sait que Dieu ne change pas, et que Jésus a fait connaître le nom de Dieu, nous savons que le nom de Dieu est Jéhovah, tel qu'on peut aussi le lire en psaume. En psaume 83:19, qu'il sache que ton nom, que toi seul, Jéhovah, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Ainsi donc, le nom de Dieu est bien Jéhovah. Et vu que Dieu ne change pas, tel que l'on l'a vu dans Malachie, Jéhovah, Dieu, porte toujours le nom de Jéhovah, et non pas Jésus, puisque Jésus est son fils.